Je suis là. Le pigeon, c'est la bonne que les enfants sont venus. La grand-mère à la vie. J'ai peut-être mal calculé mon enfant parce que Skype a l'air à crever un peu la caméra. On est-tu... Ah, il est trop tard, hein? T'as déjà commencé à streamer. Thank you.
OK, alors bonjour tout le monde. Bon vendredi, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts pour les élections de lundi, parce que moi, je suis pas vraiment prêt. En fait, on a les libéraux qui sont au pouvoir, ça fait déjà quelques années. Ce serait peut-être bien d'avoir du nouveau parti, nouveau visage, mais les choix sont pas là, comme on dit. Donc, on verra. Faut que je pense à ça ce week-end. Donc, juste un petit ajustement pour commencer, là, David. J'ai un invité avec moi aujourd'hui, David Moreau-Simard, que je vois pas très bien sur mon écran. Donc, David, on va enregistrer. Est-ce que tu es là, David? Oui, je suis là. OK. Attends un petit peu. Petits ajustements. C'est du live, hein? Donc, des choses qui arrivent. On avait tout testé hier, hein, David? On va faire des petits ajustements. Skype. Okay, je vais voir pourquoi. J'étais dans le chat du Skype. Ça devrait grossir dans quelques secondes. On devrait te voir en plus gros, David, là. OK, donc on va commencer quand même, David. On va attendre On va attendre que voyons, que l'image s'agrandisse avant de commencer à discuter avec toi. C'est pas de problème. Donc pour commencer, juste un petit rappel pour ceux qui veulent s'abonner à ma liste de diffusion, qui veulent être notifiés quelques jours à l'avance des diffusions. Vous m'envoyez un courriel avec comme sujet abonnement Twitch. Donc automatiquement, vous allez être sur ma liste de diffusion. J'envoie un rappel à tous les mercredis après-midi et le vendredi matin. Justement, en parlant de diffusion, la prochaine émission qui devrait avoir lieu dans 2 semaines, je serai pas là en fait, je vais être à Orlando, donc au Tech Exchange. Vous ne devez pas connaître le Tech Exchange, c'est un événement interne à Red Hat. Dans le fond, on se rassemble une fois par année pour apprendre les nouvelles technologies, les nouveaux produits, les nouvelles versions des produits. On a une quarantaine de produits chez Red Hat maintenant, donc si on veut garder le momentum sur les produits, il faut être bien sûr entraîné. Donc, c'est ce qu'on va faire du 8 au 12, donc toute la semaine. Donc, l'émission va être reportée une semaine plus tard le vendredi. Et j'en profiterai pour faire un petit résumé de ce qui a été annoncé pendant cette semaine-là. Sinon, peut-être, hein, en fait, ce qui est le fun, non seulement on va faire du training là-bas, mais on va avoir la chance. On est juste à côté de Universal Studio. Tiens, fait que là, David, je te vois un petit peu plus gros. Ça vient de s'ajuster, ça a pris quand même quelques secondes. Ça fait ça tout seul, comme par Ça magie, fait Yvan. ça comme tout ça, comme par magie. Il faut juste que j'ajuste l'écran ici. Ouais. Oui, c'est l'intégration Skype OBS, c'est pas parfaite, là. Donc il faut le laisser travailler sans doute. En tout cas, c'est ce qui est fait. Donc, pour venir juste au Tech Exchange, pour terminer, le mercredi soir, on va avoir une petite sortie. On va aller à Universal Studio. Pour ceux qui sont pas au courant, qu'est-ce qui se passe à Universal Studio ces temps-ci, eh bien, c'est le. Il y a une thématique dans le parc, c'est l'horreur. Et tiens, juste pour vous montrer un petit peu de quoi à quoi ça ressemble, l'ambiance, je vais vous mettre un petit vidéo juste ici. Je sais pas s'il devrait avoir du volume, Michael. Moi, j'ai pas de volume. Ah! Non, excuse-moi, c'est marrant. C'est peut-être ton côté, là. Donc, c'est une thématique, en fait. C'est la thématique Stranger Things qui va être reprise dans le parc. Je sais pas si vous avez écouté Stranger Things. Je sais pas, David, si tu as écouté Stranger Things sur Netflix, mais. Superbe série qui rappelle l'épopée E.T. et les très bonnes histoires Stephen King. Donc, c'est un mélange E.T. Stephen King et ça se passe dans les années 80. Donc, ceux qui ont un petit peu de nostalgie avec les années 80, c'est la série écoutée. Série quand même assez stressante avec un paquet de monstres dans ça, mais on écoutait ça en famille et on a adoré ça il y a 2 saisons. Donc, une bonne recommandation. Donc, le parc Orlando a une thématique sur ça. J'ai super hâte de voir ça. J'ai super hâte de me retrouver dans le décor de Stranger Things.
Je pense que ça va être super le fun. OK, donc David, tu es avec nous aujourd'hui. Deuxième invité à l'émission. La semaine passée, on a eu Eric. Cette semaine, on a toi. Donc, si tu veux peut-être t'introduire aux gens qui nous regardent, je te laisse aller. Oui, certainement. Mon nom à moi, c'est David Morissement, mieux connu sous DM Smart sur Twitch. Moi, je suis sur Red Hat, ça fait un peu plus que 3 ans. Je viens tout juste de joindre une nouvelle équipe. Avant ça, je faisais du OpenStack. Pas au niveau support, c'était au niveau upstream. Donc, dans le fond, je contribuais à la communauté OpenStack sous forme d'aide à gérer l'infrastructure, à gérer la CI, ce genre de choses-là. Et puis, dans le fond, mon rôle, c'était de s'assurer que, dans le fond, la chaîne de productisation d'OpenStack chez Red Hat coulait bien. Donc, par exemple, on a OpenStack qui est les sources vanilles. Ensuite de ça, on a RDO, qui est le projet de packaging pour faire Uminstall Nova, par exemple, et que ça fonctionne. Et puis ensuite de ça, il y a OSP. Ça prend de l'infrastructure, ça prend des outils, ça prend de la maintenance. Donc, c'est un petit peu de ça que je m'occupais. Maintenant, je fais partie de l'organisation OpenShift chez Red Hat. Donc, d'un produit qui s'appelle OpenShift Dedicated. Puis OpenShift Dedicated, essentiellement, c'est des clusters OpenShift dans différents clouds. Actuellement, c'est principalement AWS. Donc, dans le fond, Red Hat déploie, maintient et supporte le cloud pour vous. Puis, dans le fond, le client a un cluster OpenShift dont il peut se servir pour ses applications, finalement. Ça prend encore là pour déployer un grand nombre de clusters de différentes tailles, ça prend de l'infrastructure et ça prend de l'automatisation, ça prend de la CI, ça prend de la CD. Ça prend une équipe pour gérer tout ça. Je fais partie de cette équipe-là. Sinon, je suis pas mal impliqué au niveau de la communauté Ansible. Autant dans mon rôle dans l'organisation OpenStack que celle OpenShift, je faisais beaucoup d'Ansible. OK. David, de juste revenir sur OpenShift, tu as mentionné principalement c'est avec Azure, pas avec Azure, avec Amazon, pardon. Mais ouais. On a une offre qui s'en vient avec Azure, mais je pense que vous ne serez pas impliqué dans ça parce que c'est Microsoft. Hein, je pense qu'il va faire la maintenance, l'entretien. Effectivement, il y a un produit qui s'appelle OpenShift en Azure. Et l'offre de service d'OpenShift en Azure est un peu différente de celle d'OpenShift Dedicated. OpenShift en Azure, l'implémentation va plus ressembler, va plus être intégrée à Azure, là. Donc, un petit peu, je préfère un parallèle entre, par exemple, un Elastic Load Balancer as a Service dans AWS. Ça va être un petit peu comme un OpenShift as a Service dans Azure. Donc, c'est une offre beaucoup plus intégrée. Puis, effectivement, là, il s'agit d'un partenariat avec Microsoft. Excellent, excellent. Merci, David. Sinon, on t'a parlé un petit peu d'Ansible. Tu as été très modeste dans ce que tu as dit sur Ansible. Donc, tu es l'auteur d'un programme qui s'appelle ARA. Je ne sais pas si tu veux nous en parler un petit peu. Je pense que ce serait une bonne idée. effectivement. Je veux dire, moi dans la vie, je suis plus je me qualifie moi-même un peu plus de système, d'administrateur système, de personne d'opération, architecture et tout ça. Donc, je suis pas un développeur dans l'âme. Je suis capable de développer. Mais moi, ce qui me fait triper, c'est de développer des trucs qui vont m'aider dans ma job. Donc, ARA, c'est quelque chose que j'ai développé pour m'aider. Je roulais beaucoup, on utilisait beaucoup de Playbook Ansible. Pour moi, il manquait quelque chose. Regarder l'output, regarder à l'écran là, ce qui se produisait lors de l'exécution d'un Playbook, c'était pas très intuitif. Donc, ARA, ce que ça fait en gros, c'est que c'est un plugin natif à Ansible, c'est un callback. Et puis, dans le fond, ARA, tout ce qu'il fait, c'est qu'il enregistre tout dans la base de données. Donc, il ne se base pas sur ce qui est dans le terminal ou
sur des logs. Il prend, c'est vraiment, au niveau du code Python de Ansible, il va être capable d'aller sauvegarder toutes les données dans une base de données. Et puis donc, après ça, vous avez une interface web qui permet de visualiser ces données-là d'une façon plus intuitive. Là. Donc, chercher des tâches, chercher les tâches qui sont échouées. Ça sauvegarde également les fichiers. Donc, c'est possible de voir le contexte dans lequel une tâche aurait pu échouer. Et puis donc, ça a énormément de valeur, surtout quand on utilise Ansible vraiment à tous les jours et à l'échelle là, sur des centaines et des milliers de serveurs, là, finalement. Excellent, excellent. Si on continue dans la veine Ansible, en fait, pour ceux qui nous écoutent, là, j'ai mis le lien sur GitHub du projet de David, du projet Aira. Donc, si vous voulez essayer, super facile à installer. Donc, comme David disait, c'est un plugin qu'on branche à Ansible et dès que c'est attaché, Aira se met à l'œuvre. Donc, super. Sinon, David, côté Ansible, la semaine prochaine, je crois que tu t'en vas au Ansible Fest. Tu vas faire un petit tour là-bas. Oui, donc la semaine prochaine à Austin, au Texas, il y a le Ansible Fest. Donc, cette année, une nouveauté. Les Ansible Fest, typiquement, c'était seulement une journée. Là, celui de cette année, c'est deux journées. Plus de talks acceptés, plus de tracks, plus de speakers. Plus de fun finalement. L'événement va être plus gros. Également, le Ansible Fest, si ma mémoire est bonne, c'est le mardi, le mercredi. Et le lundi et le jeudi, c'est ce qu'on appelle un Contributor Summit. Ça incite les contributeurs, ça invite plutôt les contributeurs et les gens qui travaillent sur Ansible à se réunir ensemble. Discuter des trucs, travailler. C'est une bonne opportunité de discuter des points contentieux, là, des fois, là, qui dans une pull request ou dans un issue sur GitHub, c'est pas nécessairement le meilleur moyen de communication. Donc, en étant tout le monde dans une même salle, on est capable de d'être productif, là, finalement. Excellent. Est-ce que tu sais à combien de développeurs ou de personnes qui vont participer à ce moment? Est-ce qu'on a un chiffre à peu près ou on n'a pas d'idée du tout? Écoute, tu me demandes ça, je sais pas. Je sais qu'il y a un Etherpad que j'ai ici. Laisse-moi voir. Écoute, c'est juste comparer un petit peu. Là, je me souviens, ouais. Je donne souvent des métriques sur celui de là, 2 ans, parce que j'ai une belle photo là, sur celui de là, 2 ans. Je pense aux alentours de 800, je pense que c'est 800 développeurs. Je devine que cette année, on s'attend beaucoup plus. Là, et j'ai même une petite nouvelle là-dessus, un petit peu plus loin, là, tantôt. Moi, ce que je vois, là, je peux le linker dans le Twitch, il n'y a pas de problème. On a un Etherpad dans lequel les gens se sont... Oups! Le bot a supprimé mon lien. J'imagine que c'est une protection anti-spam ou quelque chose. C'est pas grave. Exact. Je te l'enverrai plus tard. Oui. Je vois environ une trentaine de développeurs core Ansible. Les gens qui s'occupent vraiment de la maintenance de Ansible et de développer des nouvelles fonctionnalités. C'est sûr que ça n'inclut pas évidemment tous les contributeurs qui ont envoyé des pull requests ou quoi que ce soit. En termes de personnes qui vont assister à l'événement Ansible Fest au complet, j'ai pas de chiffres. Okay. Non, écoute, c'était juste pour avoir, je sais pas si tu avais ces insights-là, parce que j'ai pas vu passer rien à l'interne non plus sur ça. Ok, excellent. Mais écoute, si tu veux m'envoyer ton lien, écoute, si on est ensemble, on est branchés sur Slack, je sais pas si tu... Ouais, je t'ai envoyé ça sur Skype, peut-être, non? Non, oui. On ne voit pas ça sur Skype, ça risque de détruire la vidéo. Fait que, oh non, ok, fait que j'ai envoyé ça par... effectivement, ça a détruit la vidéo. Ah non, ok, c'est revenu. Il y a eu comme une petite pop-up dans ma face. Okay. Donc, Etherpad, laissez-moi, je vais le copier tout de suite, je pense que ça peut intéresser les gens qui nous regardent. Ouais. Donc, on va faire ça. Donc, ça va vous donner une idée de ce à quoi on va discuter. Voilà. Donc, je viens de le mettre, effectivement. Je viens d'ouvrir aussi. Je vais regarder en même temps, là, rapidement. La liste des personnes qui se sont... c'est pas une liste exhaustive, là, mais à la fin du document, il y a la liste des personnes. OK. OK, oui, effectivement. OK, excellent.
Écoute, ben, merci pour ce partage. OK. Donc, sinon, à part ça, David, de ton côté, très actif sur les médias sociaux. En tout cas, je te vois passer souvent sur Twitter. Je trouve ça super ce que tu mets en passant sur Twitter. Là, ça vient me chercher. Je pense qu'on a un peu les mêmes intérêts. Là, mais peux-tu nous parler un petit peu des médias sociaux? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, ben écoute, moi je suis pas sur Facebook, fait que j'ai des petits problèmes avec la façon dont Facebook gère la vie privée, entre autres. Donc je suis sur Twitter, puis je me sers de Twitter beaucoup pour comme un newsfeed. Donc je suis les personnes qui parlent de choses qui m'intéressent. Souvent ça va donner que c'est dans le domaine de la technologie, de l'open source. Donc je me demande comment les gens font parfois pour suivre genre des plusieurs centaines ou milliers de personnes. Moi, j'essaie de garder le nombre de personnes que je suis gérable, sinon je suis pas capable de lire le feed, puis bref, c'est ça. J'ai pris une pause de Twitter l'été dernier. J'ai moins tweeté parce que j'ai eu une mauvaise expérience sur Twitter. Sans rentrer dans les détails, je posais une question toute naïve à une personne, puis elle l'a mal pris, puis ça m'a comme enlevé le goût, on dirait. Là, je suis revenu un petit peu plus sur Twitter récemment. Parce que c'est le fun, discuter avec les followers et tout ça. On est capable d'avoir un bon dialogue avec les personnes qui nous suivent, donc c'est génial. Excellent. Mais alors, continue, David, ton bon travail sur Twitter. Comme je dis, c'est super intéressant. J'ai dans mon feed, j'ai Donald Trump, puis c'est une autre histoire. Donald Trump envoie beaucoup de tweets, mais c'est pas toujours toujours super intéressant, au moins consistant, mais dans ton cas, ça suit, les idées suivent. Je vais voir le feed Twitter de Donald une fois de temps en temps, mais c'est un petit peu comme par curiosité morbide, je dirais. Excellent, excellent. Donc, et David, je sais qu'on a discuté dans le passé, on a échangé sur Twitch. Tu étais au courant un petit peu du projet que je faisais sur Twitch, puis je pense que je t'ai donné le goût un petit peu de regarder ça. Est-ce que c'est dans tes plans toujours de éventuellement qu'on te voit sur Twitch aussi ou J'étais rendu assez loin dans mes démarches. Là. J'avais essayé OBS, je m'étais fait un petit setup qui fonctionnait bien. Ce qui me manque vraiment, c'est le temps. J'ai un blog aussi, puis ça fait longtemps que j'ai pas écrit dessus parce que je sais pas, ça me prend moi beaucoup de temps à créer du contenu. J'ai comme une attention du détail un petit peu intense parfois, puis là, ben quand mettons j'écris un blog post, ben je vais me relire, puis je vais, tu sais, à un moment donné j'ai un peu de misère à lâcher le morceau. Fait que j'ai Si je me lance dans quelque chose comme Twitch ou quoi que ce soit, ça va être, je sais pas, improvisé ou ce sera pas très structuré, parce que j'ai l'impression que si je me mets à structurer ça, j'aurai pas le temps tout simplement. Fait que, mais oui, ça m'intéresse toujours parce que je pense que j'ai des choses à partager qui pourraient être intéressantes pour les gens. Donc, à suivre. Bon, ben, super. Excellent. Écoute, je souhaite que ce projet-là devienne réalité. Parce que c'est super le fun. Tu vas voir, si tu te lances dans ce projet-là, surtout s'il y a des gens qui viennent te voir, puis tu as des bons commentaires, là, c'est super motivant. Donc je te souhaite que ça fonctionne, que tu trouves du temps pour embarquer sur Twitch. Une belle plateforme pour partager nos idées. Mais comme qu'il peut avoir des trolls aussi, hein? Des trolls, puis des personnes méchantes, puis des... Ah, hein, il y en a partout, hein? Ouais, fait que tu te fais une coquille à la longue, mais je sais pas, je vais essayer quelque chose, je pense. Non, mais super. Écoute, David, c'est la première fois que tu viens sur mon émission, j'espère que tu vas revenir. Je sais qu'aujourd'hui, là, t'as une contrainte de temps. Je devine que tu vas rester pour quelques minutes encore avec nous autres, là, mais je crois qu'il faut que tu quittes un petit peu plus tôt. Moi, je suis bon jusqu'à à peu près une heure, là, donc il n'y a pas de problème. Ben, écoute, ça va. D'habitude, j'essaie de terminer autour d'une heure, mais dépendamment
des interactions, des questions, et des fois, quand on commence à parler, on s'évade très, très vite. Donc, j'essaie de finir autour d'une heure. Si jamais c'est pas fini une heure, sois bien à l'aise de quitter, là. Saluer tout le monde, puis quitter, bien sûr, Ouais. là, mais il n'y a pas de problème. Mais on va essayer de finir pour une heure. Donc, c'est Ouais. excellent. Fait que, David, est-ce que tu avais d'autres choses à dire à nos auditeurs, ou c'est bon comme ça? Non, ben, On fait un je veux bon dire tour, hein? salut, je veux dire salut à mon troll numéro un, Pascal. Pascal qui trouve tout le temps le moyen de me troller dans des présentations, là, genre j'avais fait une présentation à un meet-up OpenStack, c'était une live démo, puis il avait mis, je sais pas, là, je pense qu'il avait mis un commentaire dans une patch, là, c'était Pascal tout craché, là. Bon, excellent, excellent. Alors, merci David. Merci encore d'avoir accepté l'offre de joindre mon émission. C'est super, super le fun. Et comme je disais tantôt, j'espère que tu vas revenir. Je pense que ce serait bien de faire peut-être à un moment donné un sujet sur Ara, venir présenter Ara, faire une petite démonstration aux éditeurs. Je pense que ce serait apprécié aussi. On gardera ça dans les prochaines semaines, selon tes disponibilités, bien sûr. OK, donc, prochain sujet aujourd'hui, comme je fais à tous les 2 semaines, je vais updater le petit message en haut à gauche que j'oublie souvent de mettre à jour. Donc, c'est pas automatisé encore cet aspect-là. Peut-être qu'il faudrait que je développe un petit plugin pour OPS pour le faire automatique, qui lit dans mes pensées ce que je veux dire. Non, enfin, bref, ça va être difficile. Donc, je parle toujours un petit peu ce que j'ai travaillé dans les 2 dernières semaines. Tout d'abord, je sais pas s'il y en a qui l'ont remarqué sur la chaîne actuellement, le son, il y a des changements au niveau du son, et ça, c'est grâce à David. David m'a fait une très bonne recommandation pendant qu'on pratiquait cette semaine d'enlever le son ambiant, donc en configurant le noise suppression dans OBS, et je l'ai fait. Je pense que ça paraît, David. Tu vois-tu une différence? Parce qu'hier, quand on a fait nos tests, je pense que tu entendais tous les petits bruits de fond, là, mais... Ouais, on entend comme un petit bruit de fan un petit peu là, mais OK. c'est moins pire qu'hier, OK. effectivement. Alors, je pourrais jouer. Il y a un trigger sur ça. Là, je l'ai mis je pense, à 30%. On pourrait essayer de le monter, voir si ça coupe Ah. ça. Là, j'ai Ah, mais mon. en... J'ai un NAS qui roule. D'habitude, je le ferme, mais j'ai oublié de le fermer. Il était en train de faire le backup quand j'ai commencé l'émission. Donc, je voulais pas Mais rater ça. en fait, je ne sais pas s'il y a le bruit de fan. Je pense qu'il faudrait demander aux personnes qui nous regardent sur Twitch, parce que moi, en fait, je t'écoute sur Skype, parce que Twitch est en décalé d'une quinzaine de secondes. Hein, Effectivement, effectivement. je t'entends pas de la version OBS, je OK. t'entends de la version... Effectivement, le filtre est seulement appliqué sur OBS, donc je pense que ça explique. Je ne sais pas, les gens qui ont parlé tout à l'heure, peut-être confirmer, c'est good sur Twitch. Bon, excellent, merci. Oh, excellent. Merci. Merci de confirmer que le son est bon, effectivement. Fait que le fil fonctionne bien. Donc, merci David, merci pour ton truc. Donc, plus Et... agréable à écouter, surtout les gens qui prennent des écouteurs là, puis qui m'entendent directement dans leurs oreilles. Là. Je pense que vous entendez vraiment tous les petits bruits. Il y a toujours le bruit du clavier de la souris là, qui est plus difficile à couper parce qu'il est quand même assez proche du micro. Et puis, je peux pas me passer de clavier souris pendant l'émission. On partage beaucoup de choses, on tape des commandes. Donc, tu voulais-tu dire quelque chose, David? Non, Pendant non, qu'on. non, j'ai du noise suppression dans mes écouteurs, puis je OK. gossais avec le setting pour voir OK. si ça faisait une différence maintenant. OK. Excellent. OK. Sinon, mis à part cette modification-là qui m'a pris des heures à implanter, non, c'est pas vrai, quelques minutes à implanter, dans les dernières 2 semaines, on a eu, entre autres, la semaine passée, on a eu la visite du troc. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont venus dans le troc. David, tu es venu faire un tour, tu as pris des photos. Et tiens, je vais justement montrer des petites photos qui ont été prises pendant la visite du troc. Donc, je vous montre ça à l'instant. On va commencer, tiens, par Montréal. En fait, il restait 2 jours à Montréal, dans le Vieux-Port. Donc, je vous voyez bien. Oui, je pense que c'est bon ici. Je vais grossir l'écran. Donc, le camion était stationné au Vieux-Port. Le camion, ce qui est le fun, c'est qu'il est ben, il est pas modulaire, mais il est extensible, en fait. Donc, je vais juste vous montrer à l'intérieur ce que ça avait l'air. Donc, on n'a pas l'impression d'être dans un camion du tout lorsqu'on est dans le truck. On a vraiment l'impression d'être dans une salle, une petite salle. Donc, ici, c'était le premier matin. Il y avait une petite réunion d'équipe pour discuter de ce qu'on allait faire dans le truck. Sinon, l'extérieur, là, l'avant. Je ne sais pas s'il y en a qui sont sur Twitch, qui sont allés voir le cockpit. J'aurais dû prendre une photo du cockpit. Je dis le cockpit, là, mais le dashboard ou le dash du camion, là, avait. Je ne sais pas, David, si tu l'as vu de ton bord, là, il y avait, je ne sais pas combien de pitons et de lumière après ça. Là, c'était assez impressionnant.
Je me demande si... Non, non, ce que, la seule chose que je sais, c'est que ce camion-là va être à Ansible Fest la semaine prochaine. Ah ouais, OK. Fait que le gars qui conduit le camion, il conduit genre de Québec City à Austin. Là. C'est comme 3000 km. C'est sa job, j'imagine, mais c'est quand même une longue distance. Oui, effectivement. Il parcourt, c'est une tournée nord-américaine, en fait. Dans les trois dernières semaines, elle s'est promenée au Canada et là, elle s'en allait aux États-Unis. Donc, elle faisait plein de villes aux États-Unis. On avait un setup pour partager l'Internet. Il y avait deux modems, un modem pour le signal américain puis un modem pour le signal canadien. Et lorsqu'elle a quitté Québec la dernière journée, il fallait démonter tout le signal canadien parce qu'il ne voulait pas qu'elle traverse la ligne avec le signal canadien, sinon il allait avoir des frais de roaming assez incroyables. Donc j'ai tout débranché ça la dernière journée. Juste revenir un petit peu sur la photo que vous voyez ici, c'est dans le Vieux-Port. On était stationné au Vieux-Port à côté du Centre des sciences. Puis regardez, on voit des bureaux en arrière, là, puis une des deux journées, il y a des gens qui étaient dans le bureau, je pense dans la tour noire, vous voyez, là, je sais pas quelle compagnie qui est là, mais j'imagine qu'il y a plusieurs compagnies. Mais il y a des gens qui ont vu le camion et ils connaissaient Red Hat, mais ils n'étaient pas au courant qu'il y avait un camion. Fait qu'ils sont venus voir, je pense que c'est trois personnes là, qui sont venus voir ce qui se passait dans le camion. Donc, c'est comique. C'est vrai, on était cachés en deux buildings. On arrêtait plus centre-ville. J'ai l'impression qu'on aurait eu plus de monde qui sont pas habitués à nous voir à Montréal. Mais bon, bref, ça a généré un petit peu de discussion sur des clients qu'on n'est pas habitué de voir lors de nos événements. Donc ça, c'était à l'intérieur. Ici, Marcos, mon collègue Marcos qui présentait sur Ansible, le provisionnement du cloud public avec Ansible. Et ici, je voulais juste vous montrer, on avait un mini data center, en fait, dans le truck. Donc des serveurs Red Hat qui roulaient OpenStack et OpenShift. Malheureusement, on n'a pas pu utiliser cette infrastructure-là. Quand le truck est arrivé, on avait déjà des rencontres clients planifiées. On n'a pas pu jouer avec la technologie dans le truck. Donc, mais bon, bref, il y avait cette technologie-là disponible et qui alimentait les différents. Il y avait des démos qui roulaient aussi sur les écrans. Il y avait une station de réalité virtuelle aussi qui était disponible. Donc, c'était pour Montréal et juste vous montrer très rapidement à Québec à quoi ça avait l'air le setup. C'était la même van, donc rien de nouveau. On était stationné au centre Vidéotron. C'était le matin ici, on était en train de s'installer, d'attendre les gens. Donc, on a eu d'autres présentateurs, dont ici Marco Berubé, que vous voyez, qui est venu présenter Infrastructure Migration Solution, la version 1, là, notre outil, nos services qui permettent de migrer de VMware vers KVM, ce que j'ai parlé, là, je pense, à la dernière émission. Et on avait Sébastien ici, mon collègue Sébastien, qui présentait sur Red Hat SSO avec Keycloak. Donc, et on avait finalement un invité des États-Unis, Michael Ford, qui est un spécialiste Ansible Network, qui est venu parler de Ansible Network aux Jeunes Québec. Donc, c'était super, belle activité qui sort de l'ordinaire un petit peu. Habituellement, on se promène d'un hôtel à l'autre quand on fait nos événements. Là, on était dans le camion. Et je peux vous dire que le camion s'est fait prendre en photo de tous les côtés. Je l'ai vu circuler un petit peu sur Twitter. J'ai même vu des gens, je pense, David, c'est toi qui l'as posté sur Reddit. Là. Il y a eu quand même, je pense que tu as eu pas mal de commentaires hein, sur Reddit. Sur Reddit, les gens, ils aimaient les photos, j'imagine, mais ils trouvaient ça cool. Tu sais, je veux dire, à l'intérieur, c'est quand même surprenant à quel point c'était grand. Moi, j'ai été surpris quand j'ai rentré. Puis, le truc qui m'a surpris aussi, c'est qu'il y avait de l'air climatisé. Fait que, tu sais, c'est comme, écoute, il y a des serveurs, il y a des écrans, il y a un projecteur, il y a de l'air climatisé. Je veux dire, c'est un gros setup. Oui. Excellent. Donc, le truck. Sinon, quoi d'autre qu'on a eu dans les dernières deux semaines? On a eu un événement à Microsoft. Je sais que plusieurs d'entre vous ont participé, des gens qui sont venus me voir aussi. Juste pour votre information, je vais mettre dans le chat, si vous voulez accéder à toutes les présentations qui ont eu lieu pendant cette journée-là. Il y a eu plusieurs très bonnes présentations. Donc, je mets le lien. Vous pouvez accéder et consulter ces présentations-là si vous n'avez pas eu la chance de vous déplacer pour les écouter. Sinon, mardi soir dernier, cette semaine, en fait, j'étais avec Eric au bureau et on a accueilli le Linux Meetup. Linux Meetup qui est organisé depuis 15 ans par Martial Bigra. Donc, on a en fait sponsorisé le Linux Meetup, l'édition de ce mois-ci. Donc, on a donné un paquet de goodies, on a fourni de la nourriture, de la boisson. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait prendre un petit peu par le succès de l'événement. On ne s'attendait pas à autant de gens. Il y avait 90 personnes qui s'étaient inscrites.
J'ai pas le décompte final. Je sais pas s'il y a quelqu'un sur le canal qui est capable de me dire le décompte final, mais ça devait tourner aux alentours de 70-75 personnes. Donc, je peux vous montrer très rapidement de quoi ça avait l'air cette soirée-là. Si je m'en viens juste ici. Oups. On va mettre ça. Linux Meetup, juste vous montrer quelques photos rapidement. Là. Donc, c'était la table qu'on avait garnie de goodies Red Hat. Et je sais qu'il y a des goodies dans ceux qui arrivaient de l'OpenStack Summit. Là. Je ne sais pas, David, si c'est toi qui avais ramené ça, là, mais on a pratiquement tout passé ce qui restait au bureau comme goodies. Là. Donc, Non, c'était des. Dans le fond, on avait des leftovers de Vancouver, du oui. Summit à Vancouver. Ça a été envoyé à Toronto. Puis Toronto nous a envoyé une batch de stock. Là. Okay. Donc, mais oui, effectivement, là, c'était du Ouais. leftover du Summit. Ouais. On en a passé beaucoup. Ici, on peut voir bon, Martial là, qui introduisait les gens au Linux Meetup. Pour ceux qui connaissent nos bureaux, là, juste vous montrer la prochaine photo. La salle était vraiment très remplie. Là. On avait 60 chaises d'installer. Les chaises étaient toutes pleines. Puis il y avait des gens debout là, tout le tour dans la salle à côté. Là. Donc, je pense que c'est la première fois que je voyais autant de monde que ça dans un événement au bureau. Là. Donc, ça a été super, super belle gang. On a eu des très bonnes questions aussi. En fait, j'ai présenté avec Eric. Puis Eric, je crois qu'Eric est en ligne en ce moment avec nous. Je l'ai vu sur Twitch. Donc, Eric a présenté avec moi Satellite 6, 6.4 qu'on a parlé. On a pris une pause et par la suite, on a parlé du roadmap de RHEL 7, RHEL 8 un petit peu. On n'est pas vraiment autorisé encore à parler beaucoup de RHEL 8, là, mais en fait, j'avais un deck d'une trentaine, quarantaine de slides. Je pense que j'ai eu le temps d'en présenter au niveau du roadmap, 4 ou 5 seulement. Il y avait beaucoup de questions, beaucoup de très bonnes questions. On a débattu d'autres sujets que RHEL. On a parlé de GPL. On a parlé des différences entre CentOS, Fedora et Red Hat. Donc, c'était super le fun. Une discussion que je n'ai pas habituellement en clientèle. Donc, c'était des nouveaux débats. Donc, vraiment un beau groupe. On a eu du fun avec vous mardi soir. OK. Donc, c'est pas mal ce que j'ai travaillé dans les derniers temps. Beaucoup d'événements. Maintenant, dans les prochaines semaines, on va focusser beaucoup plus. Je vais focusser beaucoup plus du côté client. Là, j'ai plusieurs présentations en clientèle, les POC qui roulent. Donc, je vous reviens avec ça dans 3 semaines, en fait, avec plus de détails. Donc, prochaine section, en fait, c'est les prochains événements qui s'en viennent. Donc, on va mettre à jour le titre ici, en haut, toujours en haut à gauche. On va faire ça vite. Donc, prochain événement, et David me donne un fort coup de main à ce niveau-là, c'est les Ansible Meetup. Donc, 2 Ansible Meetup qui s'en viennent. J'avais déjà parlé dans l'émission précédente. Là, tout est confirmé. Les lieux sont confirmés. Les talks sont confirmés aussi. Donc, je peux peut-être partager avec vous la fenêtre pour en discuter très rapidement. Donc, à Québec, on commence à Québec avec le 17 octobre. J'ai mis une petite photo ici. Je me suis amusé avec la photo. Donc, c'est pas ce que Québec ressemble, le boulevard Laurier pour l'instant, c'est des projections futures avec le tramway, bien sûr, mais on va... en fait, pourquoi j'ai mis cette photo-là, c'est qu'on va être dans les bureaux de Microsoft qui sont sur le boulevard Laurier, tout simplement. Là. Donc, c'est un petit clin d'œil politique ici. Donc, je vais juste vous présenter un petit peu l'agenda. Très rapidement, je vais faire une nouvelle introduction à Ansible. Là, de ce que je peux comprendre, la plupart des gens qui viennent au Ansible, généralement, ils connaissent Ansible, mais on a vu, puis David, je pense que tu t'en rappelles, là, pratiquement à chaque meetup, on a des gens qui ne connaissent pas Ansible qui se présentent au meetup Ansible. Donc, je vais faire une réintroduction à Ansible. David, tu vas venir présenter Ara. Donc, on parlait de le faire sur Twitch, mais s'il y en a qui préfèrent te voir en réel le faire, bien ça peut se faire à Québec le 17. On peut même live streamer le meetup sur Twitch, si tu veux. Ben écoute, moi, on a débattu ça cette semaine, justement. Martial, de son côté, enregistre tous les meetups avec OBS, mais ne les stream pas sur Twitch. Mais on a débattu ça si on devait live streamer les meetups. La beauté des meet-ups, c'est que les gens... c'est aussi de se rencontrer, là, face-à-face, puis échanger. Là. Fait que ça, on commence à live-streamer les meet-ups. Bon, est-ce que les gens vont arrêter de se déplacer, puis vont regarder ça sur leur ordi? On avait peur qu'il allait y avoir moins de monde. Donc, on a vu de même. Bref. Donc, sinon, par la suite, on a Mathieu Benoît de Microsoft qui va venir présenter Ansible et Azure, et finalement, Eric Gaulin de Desjardins qui va parler de développement de modules Ansible. Donc, David, Eric, on a déjà échangé un petit peu ensemble, il voulait avoir des idées...
de possibles modules qui pourraient qui n'existent pas dans la communauté Ansible. Donc, Eric travaille sur quelque chose de spécial pour la première rencontre. Donc, bien hâte de voir ce qu'Eric va nous produire. Sinon, du côté de Montréal, c'est arrêté aussi le mercredi 24 octobre prochain. C'est la semaine suivante, celui de Québec. Donc, c'est des présentations différentes. Ça va toujours avec les disponibilités des présentateurs, bien sûr. Donc, Sébastien va venir nous présenter Ansible, comment bien recycler votre code. En fait, Sébastien Perrault, ce que Sébastien m'a dit, c'est que c'est vraiment une présentation sur les best practices autour d'Ansible. Donc, Sébastien et moi, on fait le même travail. On se promène beaucoup en clientèle. On entend les questions qui reviennent le plus souvent chez les clients. Donc, c'est ce que Sébastien va présenter la semaine, à ce meet-up-là. Sinon, Gonnery, qui va venir présenter comment piloter les microservices depuis Ansible. Gonnery, c'est un projet qui travaille à l'interne. Il vient présenter un petit peu ce qu'il fait au niveau des microservices avec Ansible. On a Alain Chiasson de Guavus, qui est notre partenaire de la soirée en passant pour Montréal, la compagnie Guavus. Il vient présenter, vient revisiter en fait, parce qu'on a déjà parlé du CI/CD avec Jenkins et Ansible. Mais on va revisiter ce sujet-là qui est très populaire. Pratiquement tous les clients veulent faire du CI/CD avec Ansible et souvent on voit Jenkins dans le décor. Donc ça va être le fun de voir cette présentation-là d'Alain. Et finalement, David, je vais te laisser parler de ta présentation. c'est un peu ce sur quoi je suis en train de travailler actuellement. Donc, la version 3.3 de Ansible Tower permet les déploiements natifs vers OpenShift. Mais c'était déjà quelque chose qui était disponible dans la version upstream AWX. Donc, je vais parler un petit peu de à quoi ça ressemble à déployer AWX dans un cluster OpenShift ou Kubernetes, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce que ça pourrait être intéressant pour vous de faire ça. Puis, je vais également parler d'un autre projet que j'ai qui permet de garder une instance Tower configurée automatiquement. Donc, Tower ou AWX, en fait, se configure automatiquement comme par magie. Bon. Excellent, excellent. Donc, c'est les prochains meet-ups qui s'en viennent. Sinon, on a toujours le workshop OpenShift qui s'en vient à la fin octobre au West End, à Montréal. Faites attention, c'est presque sold out. Il y a deux tracks, 30 personnes par track. On a, je regardais les inscriptions, là, je pense qu'il reste quelques places uniquement, spécialement dans la track opérateur. C'est elle la plus populaire cette fois-ci. Donc, si vous voulez vous inscrire, je mets le lien dans le chat dans juste une seconde. Donc, vous pouvez vous inscrire ici. Comme je vous dis, il ne reste pas beaucoup de place. Pour Québec, on est toujours en train de confirmer des dates. Il n'y a rien de confirmé encore pour Québec. Et finalement, par contre, à Québec, qu'est-ce qui est confirmé? Ce qu'on a confirmé au début de la semaine, c'est le 20 novembre prochain, on va avoir le Red Hat Day à Québec. Ce qu'on a fait il y a quelques semaines à Montréal. Donc, on reprend une grosse partie du contenu, on l'amène à Québec. Donc, c'est confirmé le 20 novembre. Pas d'endroit encore officiel. Donc, ça, pour les inscriptions à l'endroit, là, ça, je vais vous en parler à le prochain épisode. Donc, c'est les prochains événements Red Hat dans la région. Prochaine section, c'est les nouvelles. Donc, on va updater ça ici. Donc, les nouvelles, plusieurs petites nouvelles depuis deux semaines intéressantes. D'abord, pour ceux qui utilisent Satellite 6.3, sachez qu'il y a une vulnérabilité critique qui est sortie en début de semaine. Je mets l'information de l'errata qu'on a émis pour Satellite 6.3 dans le chat. Juste un rappel là, pour ceux qui nous écoutent, là, quand on dit que c'est une patch critique, c'est une vulnérabilité en fait qui est facilement exploitable. Pas besoin de se brancher sur Satellite pour l'exploiter. Donc c'est une faille qui est facilement exploitable. Donc n'hésitez pas avec ça. Il faut appliquer les mises à jour très rapidement quand c'est critique. Sinon, grosse nouvelle du côté. Grosse nouvelle. Importante nouvelle, peut-être que David pourra commenter un peu plus que moi sur ça. Côté Ansible, donc deux nouveaux projets qui joignent le projet Ansible. C'est-à-dire Moleculous, je pense que c'est comme ça qu'on le dit en anglais, Moleculous ou Molecule en français, et Ansible Lint. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ces projets-là, Moleculous, c'est un programme qui nous permet de tester des rôles, en fait, tester nos rôles, valider qu'ils sont corrects. Je ne sais pas, David, est-ce que tu utilises Molecule? Moi, je n'ai jamais utilisé. Mais... J'ai déjà regardé Molecule, mais mon workflow pour tester des rôles des playbooks est différent. J'utilise plutôt Zool. Okay. Mais à haut niveau, Molecule, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il fournit une abstraction pour
fournir des environnements de test. Donc, par exemple, ça vous permet de faire, de tester vos rôles et vos playbooks dans une machine virtuelle à travers Vagrant, à travers VirtualBox ou dans OpenStack même. Donc, Molecule va rouler le rôle avec des tests définis. Il va valider si c'est idem potent. Il va détruire la VM et tout ça. Ansible Lint, quant à lui, c'est plus un validateur des bonnes pratiques. Donc, par exemple, de ne pas mettre des double quotes quand vous n'en avez pas de besoin. Ou, les fameux espaces utiliser... après, au bout de la ligne. Là. Ouais, ou, c'est du lint, là. Donc, il y a des règles. Ah, vous ne devriez pas, par exemple, utiliser une commande avec yum dedans. Vous devriez utiliser le module yum, par exemple. Donc, c'est quand même bien, surtout quand on est plusieurs contributeurs sur un projet, donc ça permet d'uniformiser un peu le code. Excellent, excellent. Merci David pour ce résumé-là. Dans autre nouvelle, il y a un podcast qui est super bien fait, il y a beaucoup de marketing autour de ce podcast-là du côté Red Hat. C'est le podcast qui s'appelle Command Line Heroes. Je ne sais pas s'il y en a qui l'écoutent ici sur le canal. Moi, je l'écoute à l'occasion. C'est super bien fait, bien réalisé. David, je ne sais pas si ton bord, tu l'as déjà regardé. Écouté, parce que c'est pas vidéo, là, c'est vraiment du son, un podcast. Oui, ben c'est disponible. Moi, j'ai été surpris, en fait, c'est disponible sur Google Play Music. Moi, j'utilise Google Play Music pour ma musique, puis le peu de podcasts auxquels je suis abonné. J'ai écouté la première saison. Et les podcasts, en fait, j'ai souvent tendance à écouter ça quand je suis pogné dans le trafic en char, mettons. Mais ça donne pas souvent parce que, tu sais, je travaille de la maison, puis c'est ça. Fait que, j'ai pas encore commencé à écouter la saison 2, mais je sais que c'est sorti, effectivement. Exact. J'ai écouté un peu en diagonale. Je voulais voir un petit peu ce qu'il parlait. Là. Le premier épisode, ça nous touche un petit peu. Ça touche les gens qui connaissent bien Twitch. Là, c'est un spécial gaming. On parle de jeux vidéo. Dans cet épisode-là, on parle un petit peu de la naissance d'Internet avec ARPANET. Donc, des sujets le fun. Donc, sans vendre le punch, j'ai mis le lien dans le chat de Twitch si vous voulez aller écouter. Mais c'est vraiment super bien réalisé. La fille est super dynamique. Attendez-vous pas à un podcast très technique. Là. Ça reste encore assez haut niveau. Quoi d'autre aussi? Ansible, encore une autre nouvelle sur Ansible. Beaucoup de nouvelles sur Ansible, en fait, cette semaine. En fait, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés au VMworld qui a eu lieu il y a quelques semaines. On me dit que sur un des breakout sessions de VMworld, VMware a dit qu'ils ont reconnu que dans tous les outils d'automatisation sur le marché, que c'était vraiment Ansible le top. Je ne sais pas, David, si tu as entendu ça. De ton bord. Là. Donc, non, ça te dirait. VMware a confirmé là, qu'on possède la bonne technologie, sans nommer Red Hat, là, mais ils ont quand même dit qu'Ansible, là, si vous voulez faire de l'automatisation, surtout au niveau du cloud, ben, utilisez Ansible. Et ce qui est drôle, c'est que cette semaine, on a Oracle aussi qui a fait la même remarque, mais encore une fois, il mentionne Ansible, mais il ne mentionne pas Red Hat. Donc, je vais mettre le lien dans le chat. Donc, c'est Oracle sur son blog qui mentionne que si vous voulez automatiser le cloud d'Oracle, mais allez-y avec Ansible. Ansible le fait très, très bien. Donc, c'est des bons mots pour Ansible. C'est des bons mots pour nous autres, même s'ils ne nous mentionnent pas directement. Mais je pense qu'avec Ansible, on est à la bonne endroit en ce moment. Donc, c'est pas mal les dernières nouvelles. Les dernières nouvelles aussi, les dernières sorties que je parle dans ce bloc-là. Pas de grosses sorties depuis deux semaines. Je vous dirais que la grosse sortie a lieu aujourd'hui. Je ne sais pas, David, si tu as vu passer ça. Kubernetes 1.12. En fait, j'ai vu passer cette nouvelle-là pendant que je me préparais à diffuser. Donc, j'ai même pas regardé qu'est-ce qui est nouveau dans Kubernetes 1.12. Je ne sais pas de ton bord, David, si tu as des choses à dire sur ça. Non, tout comme toi, j'ai vu ça sur mon feed et j'ai pas eu l'occasion de le regarder encore. Exact, c'est tout frais. Fait que vous irez voir les nouvelles sur Twitter ou sur Reddit. Je pense que ça va pleuvoir aujourd'hui de nouvelles autour de Kubernetes. Quand il y a une nouvelle version qui sort, là, c'est plein d'articles qui suivent, c'est pas très très long. OK, donc, dernière section, il y a déjà une heure, j'arrive au sujet principal de... Comme à chaque fois, on manque toujours de temps, mais c'est pas grave. En fait, ce que je vais faire, le sujet principal aujourd'hui, c'est Podman, en fait. Donc, je vais le mettre en titre ici. Et David, je sais que tu dois quitter, là, il arrive une heure. Donc,
C'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ton expérience. Ouais, c'était vraiment cool. Moi, je vais revenir, il n'y a pas de problème. Bon, excellent. Sur ce, bonne fin d'émission. Oui, merci David. Bonne fin de semaine. Salut, Mister. Bye bye, David. Donc, moi, je vous garde encore pour quelques minutes. Donc, j'avais préparé du matériel. Je vais juste changer d'écran ici. Donc, j'avais préparé du matériel sur Podman. En fait, si on fait un petit retour dans le temps de mes émissions, je vous ai parlé de Builda. Donc, qui permet de faciliter la construction de containers sans utiliser vraiment Docker. Donc ici, Podman vient, en fait, avec Podman, on vient vraiment offrir une alternative avec Docker. Et ce qui est le fun avec Podman, c'est qu'il n'y a pas de daemon, donc on exécute les containers en les lançant avec Podman, tout simplement. Tiens, je pourrais peut-être vous montrer ici ce qui se brasse chez nous. En termes de roadmap pour les containers Linux. Donc, juste vous montrer une petite diapositive qui est juste ici. Regardez, ouais, ça c'est bon. Donc, une petite diapositive, en fait, pour ceux qui ne sont pas au courant, là, on se retire tranquillement, pas vite, de Docker. On a OpenShift, on a OpenStack qui joue avec Docker. Dans le roadmap de ces produits-là, on ne verra plus Docker. Donc, on va suivre le format, le standard des containers ouverts. Donc, on va y aller avec la prochaine version d'OpenShift. On va y aller avec Cryo, OpenShift 4, qui est dû pour quelque part l'année prochaine. Donc c'est Cryo qui va devenir le moteur de container. Donc, Cryo qui a besoin de Kubernetes pour fonctionner. On a Builda qui va permettre de construire les containers et finalement Podman dérouler. Donc, question que j'ai souvent ici, en fait, c'est quoi la différence entre Podman et Cryo dans ce cas-là? Donc, Cryo est vraiment très attaché à Kubernetes, alors que Podman est très indépendant. Donc, Podman peut rouler un container ou peut rouler un groupe de containers, on dit un pod, en langage Kubernetes, mais ici, Podman n'est pas dépendant du tout de Kubernetes. Donc, j'ai un autre diapositive à vous montrer ici sur Podman. Autre commentaire qui est revenu sur Podman, mais si je veux appeler un container, puis je veux que Podman le démarre, comme Podman n'a pas de daemon, qu'est-ce que je peux faire? Ben, au travers Varlink, qui est une composante, si je me souviens bien, de systemd. Donc, systemd peut appeler Podman pour lancer les containers à la demande. Donc, ce qui est très bien avec Podman, pour ceux qui arrivent du monde Docker, je vous montre ça ici. Donc, les commandes que vous êtes habitués d'utiliser en Docker, c'est les mêmes avec Podman. Donc, on prend les mêmes commandes, on change juste le début et ça permet d'exécuter les containers. Donc, je vous fais une petite démonstration très rapidement, juste ici. Donc, je vais juste tasser cette fenêtre-là, là, pour vous montrer. Donc, Podman est déjà installé. Podman vient avec... je vais juste faire une petite history ici, là, je ne me souviens pas. Grep, Podman. On va juste aller chercher... Oui, en fait, Podman vient par défaut dans Fedora. Il s'en vient par défaut aussi dans RHEL 7.6. Donc, ça va être la grosse nouveauté de RHEL 7.6. 7.6 est en bêta pour l'instant. On l'attend d'une semaine à l'autre. Donc, Podman va devenir intégré à RHEL. Donc, déjà disponible dans Fedora si vous voulez tester, vous amuser avec. Donc, faut être en route pour lancer les commandes. Actuellement, je demande à Podman de m'afficher les containers qui sont disponibles, il n'y en a pas. Donc, on va en installer un container. On va s'installer un petit serveur Nginx dans le container. Donc, même principe que Docker. Je lance la commande Podman run, le port que je vais associer au service et je laisse aller Podman. En fait, Podman va lancer, va télécharger le container, va le lancer. Mais là, je vois qu'il y a de la misère. Donc, il va me faire mentir. Donc ça, c'est le démon. Je n'ai pas sacrifié de toutou, de mascotte avant ma démonstration. Et évidemment, la démo ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe là? On va aller voir juste ici, voir si je n'ai pas des processus qui roulent et qui nuisent. C'est peut-être un manque de mémoire. Hey, ça commence bien. Qui est vraiment bloqué. Ah oui, il est vraiment bloqué. OK, les live démos, c'est toujours, toujours comme ça. Donc, on va fermer ça ici. On va se reprendre avec on va faire un deuxième test, voir si ça marche. Si ça ne marche pas,
Ok, je pense qu'il est tout simplement en train de rouler. Il n'a juste pas vu le output. Donc, je vous montre ça. Oui, effectivement. Donc, il est en train de... Ouais, il est en train de rouler. Donc, c'est peut-être moi qui n'ai pas été assez patient tout à l'heure. Donc, le container roule. Donc, si on l'essaie juste pour voir si ça fonctionne. Donc, je reviens ici. Donc, si je m'en vais sur le port 8000. Donc, effectivement. Donc, j'ai un container qui roule Nginx en utilisant Podman. Donc, c'était aussi simple que ça. Juste moi qui n'ai pas été assez patient avec la commande. Donc comme Docker, on peut inspecter notre container qui roule. Donc, je vais inspecter. Je vais utiliser la commande Podman Inspect pour aller chercher. Oups. Hey, j'ai vraiment de la misère ce midi. Je vais le taper à la main. Ça va être long de taper ça. Un petit peu, je vais me reprendre ici. Là. Copier. Bon, je l'ai. Normalement, on devrait avoir l'adresse IP. Donc, je pense que mon démo ce midi, je vais avoir de la misère avec. Je vais juste essayer une autre commande. On peut afficher les logs. Donc, je vous donne les trucs, mais il y a un petit problème avec mon container en ce moment. On va juste l'arrêter. Je vais aller chercher le nom ici. Donc on a arrêté. Puis on va l'effacer pour être sûr. Et on va recommencer. Donc vous voyez, c'est les mêmes commandes en fait que Docker. Donc on va juste s'assurer qu'il n'y a rien qui roule. Donc je vais refaire je vais relancer ce que j'ai fait tantôt et on va attendre, on va être un petit peu plus patient. Donc on va laisser faire ici. Normalement c'est assez rapide. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque en ce moment. Il va falloir que j'investigue sur ça. Mais vous comprenez le concept. Donc ce que je voulais vous montrer ici en fait, c'est que bon, pas mal vient avec Fedora. C'est les mêmes commandes qu'avec Docker. Et la beauté de ça, c'est qu'on n'a pas de daemon. Donc c'est très léger. Ça me permet de tester rapidement, lancer rapidement un container. Donc tous les containers, généralement les containers qui roulent Docker ou les containers qui roulent qui sont compatibles au CI vont rouler avec Podman. Est-ce que j'ai autre chose à vous partager au niveau de Podman? Je vais revenir un petit peu. Je vais revenir juste ici. Oui, j'ai en fait, bon, question que j'ai régulièrement, je vais le mettre dans le chat, c'est quoi la différence que j'ai régulièrement, que j'ai eu à quelques occasions dernièrement, pour pas dire régulièrement, parce que c'est pas encore de facto. Donc, ici, vous avez un article sur le blog d'OpenShift qui compare Cryo avec Podman. Il y a quand même, même si on a l'impression que les deux se jouent dans les plates-bandes, ils ont chacun leur force et leur utilité. Donc, c'est la... C'est la nouvelle direction du côté Red Hat au niveau des containers. Donc, on s'en va, on se détache de Docker. On s'en va avec des standards plus ouverts. Il y a des gens qui vont dire que c'est des standards Red Hat. Effectivement, c'est des projets, tous ces projets-là, Podman, Cryo, Builda, Scopeo, que j'ai pas parlé, un autre projet qui est intéressant pour tester, déplacer, copier des images de registres. Donc, c'est des projets qui ont été initiés chez Red Hat, mais ils sont open source, les gens peuvent participer. Et tout ça, dans le but, c'est de... Docker devenait de plus en plus pesant, devenait un gros daemon qui faisait beaucoup plus que qu'est-ce qu'on avait réellement besoin. Donc, en splittant ces différentes capacités en projets comme ça, ben, on utilise le bon outil avec ce qu'on a besoin de faire. On n'est pas obligé d'avoir ce gros daemon-là qui prend beaucoup de ressources. Donc, c'est ce qu'on travaille en ce moment chez Red Hat. On prépare, en fait, la prochaine release d'OpenShift 4. On prépare RHEL avec toutes ces technologies-là qui vont être bundlées dans RHEL et supportées aussi avec RHEL. Donc, Builda est déjà supporté depuis 7.5. Vous avez Podman qui va être supporté dans 7.6. Scopeo, je peux en parler un petit peu. Donc, Scopeo est déjà disponible, en fait, dans le canal Extra. Donc, canal Extra, chez nous, c'est un canal qui n'a pas le même niveau de support que le canal de base, mais vous pouvez utiliser déjà Scopeo avec RHEL 6. Scopeo, est-ce que j'ai une diapositive sur ça? Oui, j'en ai une ici.
Donc, je vous montre ça à l'instant. Donc, Scopeo permet d'inspecter, de vérifier et transférer des images d'un registre à l'autre. Donc, sans Scopeo, lorsque vous avez un Docker qui roule, qui vous avez créé une image, vous l'avez stockée sur un registre Docker, si on veut le déplacer vers un autre registre qui n'est pas sur la machine ou qui n'est pas accessible de la machine, il faut installer Docker puis faire le déplacement. Donc, avec Scopeo, il n'y a pas de daemon, encore une fois, c'est une commande qui permet de copier une image d'un registre vers un autre. Donc, Scopeo est disponible dans REL, encore une fois, dans le canal X3. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Je suis allé un petit peu plus vite avec Podman, puis j'ai toujours des problèmes. En fait, je pense que je viens de comprendre ici qu'est-ce qui se passe. On roule le container. Donc, Nginx roule déjà. Donc, si j'ouvre un autre terminal, on va juste faire le test, là. Donc, si j'ouvre un autre terminal avec les commandes que je voulais passer tantôt, je pense que ça va fonctionner. C'est moi qui ai mal copié ma démo là, lorsque j'ai préparé mon script. Donc, j'ai dû faire ça assez rapidement. Je devine. On fait tellement de choses dans une journée. Donc, on va juste faire un petit test, voir si je suis capable d'aller chercher. En fait, je me souviens, la première fois que je l'ai exécuté, ce qu'on voit passer, comme le container n'est pas disponible sur la machine, il le télécharge. Là, comme il est déjà disponible, il ne le télécharge pas. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas chercher d'adresse. Oups. Je n'ai pas copié la bonne commande. Donc, effectivement. Donc, ici... Le container roule bien. On n'a aucun message qui est retourné de Podman. Ça pourrait peut-être un RFE qu'on peut faire, demander au moins qu'on ait une confirmation que le container est bien parti. Donc, je vois l'adresse IP du container, comme on fait avec Docker. Je peux aller voir les derniers logs. Présentement, il n'y a pas de log au niveau Nginx. Et je peux voir... ici, en exécutant le container, je vais faire un ps ici. Donc, je vais faire un top maintenant du container pour voir qu'est-ce qui se passe dans le container. Donc, je vois que c'est Nginx qui roule. Donc, le seul processus qui est dit qui est dans le container. Donc, je ne sais pas s'il y en a encore des questions sur le chat, sur le canal. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Sinon, ça fait le tour pas mal de ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'aurais aimé passer un petit peu plus de temps sur Podman, vous donner un petit peu plus d'informations, mais je vois que l'heure avance très rapidement. On m'attend sur un appel qu'on me dit. Donc, je vais joindre cet appel-là dès qu'on a terminé. Donc, en conclusion, j'espère que vous avez apprécié la visite de David. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Je suis pratiquement rendu à... Si vous regardez sur Twitch, là, j'ai pratiquement 50 personnes qui sont abonnées à Twitch en ce moment. Je vais mettre le gros écran. Donc, j'étais à 47 ou 48. Je ne me souviens pas du nombre exact. Parlez-en, s'il vous plaît, à vos collègues, vos amis, si vous aimez le contenu. À 50, là, je débloque. Je pense que je débloque des nouvelles capacités dans Twitch. Donc, je m'approche de pouvoir éventuellement devenir un partenaire Twitch puis offrir plus d'options au niveau de mes diffusions sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous appréciez. Pour me donner un coup de main pour aller chercher ce 50-là. Donc, ça, c'est la première étape. Les autres étapes, on verra à quel chiffre on veut se rendre. Dans les prochaines semaines, comme je vous dis, n'oubliez pas, il n'y a pas d'épisode dans deux semaines. Je remets ça à la semaine du... Quelle journée j'avais dit, donc? Le 19, le vendredi 19. Je n'ai pas déterminé le sujet encore. Je sais que j'ai déjà mentionné le dernier épisode. CoreOS. J'aimerais beaucoup passer du temps avec vous sur ça. Silver Blue, Flatpak, là, ça c'est tout rattaché maintenant ensemble. Alors, on a Satellite 6.4 qui éminemment va sortir en GA. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais repasser du temps avec vous, puisque beaucoup de clients, beaucoup de personnes d'entre vous utilisaient Satellite 6 et avaient très hâte d'utiliser Satellite 6 avec Ansible. Et finalement, on a Fedora 29 qui a été annoncé. C'est vrai, c'est une annonce qu'on a faite cette semaine, ça. Fedora 29 en alpha. Pas en alpha, oui, je pense que c'est le premier build qui est sorti. Donc, regardez ce qui s'en vient dans Fedora. Donc, on pourra traiter ça dans les prochains épisodes. Donc, merci encore une fois à ceux et celles qui ont été présents avec nous en live. Merci à tous ceux qui m'écoutent en rediffusion.
Vous êtes nombreux aussi. Je garde des statistiques de ça pour voir, bien sûr, si ça vaut la peine que je tienne ces émissions-là, mais à me promener en clientèle, en événement, vous venez me voir, vous venez m'encourager, c'est toujours très apprécié. Donc, j'ai bien l'intention de continuer encore. Donc, juste un rappel, n'oubliez pas que tous mes épisodes sont archivés sur YouTube. J'ai eu la question cette semaine, il y a des gens qui pensaient que j'étais juste sur Twitch. Si vous regardez dans le bas de Twitch, là, il y a un paquet d'informations sur moi. Vous avez l'adresse de la page de ma chaîne sur YouTube. C'est vraiment, je me sers de YouTube pour archiver vraiment ce qu'on fait, ce que je fais sur Twitch. Si vous voulez les réécouter, revenir sur des sujets qu'on a déjà discutés. Donc, ça va rester là ad vitam aeternam ou jusqu'à temps que je les enlève. Là, on n'a pas de limitation. Je fais pas de montage vidéo. C'est vraiment... je prends du live. J'aime bien regarder les gens live sur Twitch. Je trouve que ça emmène un petit côté plus réalistique, rien de monté. Donc, je garde ce concept-là même sur YouTube. Donc, merci. Merci à tout le monde. Bon week-end. Et on se dit dans 3 semaines. Hein. 3 semaines, ça va être long, mais je pense que ça va passer vite. En octobre, on est très occupé. Merci. Bye-bye. Bon week-end.